Saviez-vous que dans le monde, les écoliers français sont parmi ceux qui subissent les journées les plus longues et les plus chargées ? Saviez-vous qu'à l'inverse, les écoliers français ont nettement moins de jours d'école que les autres, presque 40 jours en moins ? Les spécialistes des rythmes de l'enfant affirment que cette concentration du temps de travail est inadaptée aux élèves. Pire encore, ce rythme serait la cause de fatigue, de difficultés scolaires et donc un frein à l'apprentissage. L'école est non seulement un lieu d'instruction, mais aussi un lieu de vie et d'éducation. La refondation de l'école est un projet ambitieux. Elle vise à adapter les temps éducatifs au rythme de l'enfant, de manière à faciliter ses apprentissages, développer ses possibilités et bien grandir. Elle permet une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires, donc de développer la curiosité intellectuelle pour renforcer le plaisir d'apprendre et être mieux à l'école. La ville de Roubaix a décidé de s'engager dans la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Dans les écoles publiques de Roubaix, les enfants de maternelle et de cours élémentaires peuvent être amenés en garderie à partir de 7h30 pour débuter les cours à 8h15. Le midi, les enfants terminent à 11h45 pour reprendre à 13h45. Attention, fin de classe à 15h15. À partir de 15h15, une fois par semaine, les enfants bénéficient d'une activité club gratuite, sportive, culturelle et bien d'autres. Les autres jours, pour les parents n'ayant pas d'autres modes de garde, ou pour les enfants qui en ont besoin, un accueil de loisirs est organisé. L'accueil de loisirs de 15h15 à 16h45, ou 17h pour les élémentaires, est donc gratuit sous ces conditions. Enfin, les ateliers de soutien scolaire proposés par les enseignants sont maintenus. Chaque jour, les enfants peuvent aller en garderie jusqu'à 18h30. Le mercredi, les enfants vont à l'école de 8h15 à 12h15. Une restauration scolaire est proposée au présent l'après-midi en accueil de loisirs. Les tarifs restent inchangés. Comme les autres jours, la garderie reste possible de 7h30 à 8h15, puis le soir de 17h à 18h30. La ville de Roubaix accompagne les parents dans ces changements, en mettant notamment en place un référent école dans chaque établissement. Cette personne répond à vos questions et vous aide à comprendre cette nouvelle organisation. Le référent école coordonne avec le directeur d'école la continuité des activités scolaires et périscolaires. Ces nouveaux rythmes ont été testés avec succès dans plusieurs villes françaises. Les résultats ont été concluants. Les élèves sont moins fatigués et plus attentifs grâce à une grande régularité sur la semaine. La ville de Roubaix, en mettant en œuvre ce dispositif, souhaite faire profiter l'ensemble des élèves des bienfaits de cette réforme. La réforme des rythmes scolaires à Roubaix, c'est simple, c'est de nouvelles activités gratuites et c'est surtout pour le bien-être des enfants.